Bonjour, assalamu alaikum. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des galettes au fromage. On va passer à la préparation. Pour les ingrédients de galettes, on a besoin Samida, le finot, 130 g de semoule, 130 g de semoule, 130 g نتاع السميدة الرقيقة لو فينو، النف، 2 cuillères à soupe de la crème liquide، un yaourt et demi، 180 g de yaourt، yaourt nature، 180 g نتاع اللبن. Le quart de cuillère du sel. Cent soixante-dix grammes de farine. 170 g de farine. 3 g de la levure chimique. Et 1 g de la levure boulangère. 3 g de la khamira de halwa. Et 1 g نتاع الخميرة الخبز، 2 pincées à 3 pincées de la levure boulangère، 2 قبسات 3 قبسات نتاع الخميرة، pas beaucoup. Je vais mettre yaourt. La crème. Mettre 3 cuillères. Trois cuillères à soupe. De la levure chimique. Bid. J'ai pris 1 cuillère à soupe du lait. J'ai mis 2 cuillères. C'est du lait tiède. Il va mélanger le khamira, la levure boulangère. Voilà le beurre de yaourt. Il faut qu'on ait la hararat le matbakh. Le lait et le beurre. Il faut qu'on ait la hararat le matbakh. Les œufs et yaourt. Il faut qu'ils soient à la température ambiante. جيدا الخليط غادي نسير السميده للفرين و دو سيل On va mélanger la semoule et la farine et le sel. On va mettre le melh.
نزيدو بشويه بشويه. نخلطو غادي نزيد معلقه نتاع السميده. Je reprends une cuillère à soupe de l'huile. Voilà, je mets la gina. Je vais les couvrir et je vais les laisser une heure. Je vais les couvrir avec plastique alimentaire. Et je vais les laisser au frigo pendant une heure. Voilà la pâte, je l'ai laissée pas une heure, deux heures. J'ai besoin d'un peu de farine. Un peu de farine. Moi, je veux faire trois. ندير قريصات ان بو د فارين toujours un petit peu de farine. Je vais les couvrir avec un mendil. J'ai pris des fromages 280 grammes 280 grammes. J'ai pris des mozzarella, moitié mozzarella et moitié gruyère. J'ai besoin d'un œuf. J'ai pris un hina, une saladier. Je vais mettre mes fromages, gruyère et mozzarella. Et je vais mélanger.
Voilà, j'ai bien mélangé. On arrive à faire des petits couirats, des petits ballons. Moi, je vais mettre deux. Voilà, j'ai fait deux. On va faire la gina, les cuisettes du petit pain. Les petits ballons de fromage. Et je vais les ramasser. On le ferme le petit. Qui sort pas. Et on le laisse sur le côté. La deuxième. La troisième, je vais le faire avec des mozzarella et de la viande de dinde. Voilà, j'ai coupé les tranches de dinde. J'ai mis deux tranches et j'ai mis des mozzarella râpés. Voilà, j'ai ramassé le mozzarella. Ça se ramasse le mozzarella parce que le mozzarella, il est tendre. Le gruyère, il est un peu plus dur. C'est pour ça qu'on a mis l'œuf. Voilà. Je vais prendre ma pâte. Je vais faire pareil comme les autres. Je vais ramasser comme les autres.
On va les laisser se reposer un peu. Là, je prends un petit pain. Nqerṣu ɣir bcwiya tout doucement pour que le gruyère il sort pas, le fromage il sort pas. Voilà, on va passer à la cuisson. Voilà, j'ai pris une poêle, j'ai allumé le feu. La poêle elle est chaude. Narmota ou sepa, le feu moyen. Un petit peu de beurre. Moi, j'ai mis le feu à 4. Voilà. Ils sont magnifiques. Voilà les petites galettes. Je ne le pose pas dans l'assiette parce qu'il devient tout mouillé avec la vapeur. Faut le mettre sur un gris. Je vais en faire zoubda. Voilà les galettes, elles sont prêtes. On va couper.
Voilà, ils sont magnifiques. J'ai coupé aussi l'autre. Et voilà. Bissaha ou raha et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.